C'est par rapport à son travail. Je ne peux pas. Bon, ma place dans son bureau, dans son quai. Oh, maman. Maman, tu n'es pas la plus belle femme du monde. Ton mari ne te trompera pas parce que tu es la plus belle. Ton mari ne te trompera pas parce qu'il craint l'Éternel. Alors, s'il y a un boulot à faire, c'est fléchir ses genoux, prier pour que ton mari craigne le Seigneur. Amen.